Lorsque John Spencer est né dans un village anglais, l'étoile de l'Empire peu à peu s'éteignait. Mais il gardait le profond souvenir d'un monde ancien qui ne veut pas mourir. Lorsque John Spencer était à l'université, il ne lisait que les livres du siècle dernier. Il a toujours ignoré l'avenir, vivant enfermé dans le souvenir d'un temps qui n'était plus ce qu'il aurait voulu. Il rêvait des fastes d'un empire si vaste qu'il n'en voyait plus la fin. Lorsque John Spencer un jour a demandé la main de l'héritier d'un négociant londonien, enrichi par le succès des affaires, un mariage organisé par sa mère, il avait oublié que le monde a changé. John Spencer est mort l'an dernier à Bombay. Il habite les Indes où tout lui rappelait tous les espoirs déçus de sa jeunesse, la gloire et faste d'Orient, les richesses, le temps qui n'était plus ce qu'il aurait voulu. Le temps qui n'était plus ce qu'il aurait voulu.